Eh bien voilà, nous recevons à Sud Presse la crème de la crème des consultants. Hier Dovliger, Nordine de Paris, Dominique Donfrio. Une question très simple pour chacun. Comment voyez-vous les playoffs 1? Est-ce qu'Anderlecht est déjà champion et le Standard peut-il jouer un rôle important? Dominique, peut-être pour commencer. Tout d'abord, Anderlecht n'est pas encore champion. Ça, c'est une certitude. Et je crois que dans ces playoffs 1, tout le monde a sa chance, même si Anderlecht reste le favori. Et le Standard, comment le voyez-vous? Le Standard, il est sixième. Bon, ce sera certainement difficile, mais ça dépendra des deux premiers matchs des playoffs. Mais le top 3 est possible? Oui, certainement, le top 3 est possible. Pour l'avoir vécu, nous étions dans la même position et nous avons terminé vice-champions. Je crois que dans ces playoffs 6, ils sont encore beaucoup plus équilibrés. Nordine? Pour moi, Anderlecht n'est pas encore champion, mais il le sera. Ça, c'est certain, Anderlecht sera champion. Pour répondre par rapport au Standard, les playoffs de l'époque de Dominique, ce n'était pas la même équipe. Standard sans Ezekiel est une équipe qui a un peu plus de mal. Même Bachoui doit jouer autrement sans lui. Donc moi, je ne les vois pas dans le top 3. Je l'espère parce que Rednik, qui est critiqué actuellement, je trouve qu'il a fait du bon boulot. Il a bien repris cette équipe et il a donné une certaine ligne de conduite à cette équipe qui est intéressante, surtout en mettant les deux jeunes devant. Yeah. Mais tout d'abord, comme champion, moi je pense aussi que normalement c'est Anderlecht qui sera champion. S'ils ne seront pas champions, ce sera... à cause d'Anderlecht même, ça c'est clair, ils sont capables de jouer à un niveau que les autres ne sont pas capables. Pour le reste, moi je pense que Bruges peut être la surprise des playoffs. Ouais. Moi je trouve qu'eux ils sont en train d'une bonne progression. Et pour le reste, moi je crains que Standard n'est pas assez fort pour jouer vraiment un rôle déterminant dans ces playoffs. Et bien voilà, merci à tous et le reste du débat est à lire dans Sud Presse, numéro de jeudi. Oui.